allez les filles, c'est parti. Je vais aller voir la styliste. Je vais donner rendez-vous dans un café en bas de la maison. J'ai mis un petit pantalon en lin, une paire de claquettes Hermès comme ça. J'ai mis mon PC dans le sac. Et voilà. Bon les filles, je suis arrivée au rendez-vous. Et je suis avec Athénaïs, peut-être ma future styliste. Inch'Allah. Donc là, on est en train de regarder. Elle m'a fait un mood board et tout. Et je vous fais un débrief tout à l'heure du rendez-vous. C'est toi. Oui. Du coup, je pense que c'est un look qui, enfin, pour la vie de tous les jours, d'avoir des belles pièces, un beau sac, une belle paire de chaussures, un petit jean, un petit t-shirt et ton abaya. Le look abaya aussi qui est là. C'est toi. Oui. Du coup, je pense que c'est un look qui, enfin, pour la vie de tous les jours, d'avoir des belles pièces, un beau sac, une belle paire de chaussures, un petit jean, un petit t-shirt et ton abaya. C'est toi. Oui. Du coup, je pense que c'est un look qui, enfin, pour la vie de tous les jours, d'avoir des belles pièces, un beau sac, une belle paire de chaussures, un petit jean, un petit t-shirt et ton abaya. Le look abaya, si t'es là. C'est toi. Oui. Du coup, je pense que c'est un look qui, enfin, pour la vie de tous les jours, d'avoir des belles pièces, un beau sac, une belle paire de chaussures, un petit jean, un petit t-shirt et ton abaya. C'est toi. Oui. Du coup, je pense que c'est un look qui, enfin, pour la vie de tous les jours, d'avoir des belles pièces, un beau sac, une belle paire de chaussures, un petit jean, un petit t-shirt et ton abaya. Le look abaya, si t'es là. C'est toi. T'es ouais. Il faut en avoir 4-5. Ok. T'accessorises, beaucoup préparé en avance quand tu sais pas quoi porter. Okay. Avec une belle sandale, voilà, Hermès ou peu importe, un beau petit sac, des cheveux attachés, des lunettes, ça marche. Okay. Je pense que comme. Ouais. Il faut en avoir 4-5. Okay. T'accessorises, beaucoup préparé en avance quand tu sais pas quoi porter. Okay. Avec sandales orange. Uh-huh. Là, je suis vraiment habillée comme ça aujourd'hui. Je t'avais pas briefé en plus en avance. Ouais. Sandales orange. Comme tu vois, c'est à peu près la même chose, mais c'est différent. Là, tu vas pas au même endroit. Thank you. Merci. Ça reste modeste, ça reste classe, ça reste bien habillé. Tu peux le mettre pour aller à un event, tu peux le mettre aussi juste pour aller au Dubai Mall quand tu as tout. Ouais. Super bien habillé, pourquoi pas. Et je pense que c'est, comme tu vois, c'est à peu près la même chose, mais c'est différent. Là, tu vas pas au même endroit, tu vois. Thank you. Merci. Ça reste modeste, ça reste classe, ça reste bien habillé. Tu peux le mettre pour aller à un event, tu peux le mettre aussi juste pour aller au Dubai Mall quand tu as tout. Ouais. Super bien habillé, pourquoi pas. Et je pense que c'est à peu près la même chose, mais c'est différent. Là, tu vas pas au même endroit, tu vois. Thank you. Merci. Ça reste modeste, ça reste classe, ça reste bien habillé. Tu peux le mettre. Beau sac, beau petit accessoire, pour moi c'est très très classe. Et je pense que voilà, toi ça peut, genre, voilà, c'est modeste, c'est easy et tu peux facilement accessoiriser, avoir des bons petits jeans, surtout jeans, tout ce qui est un peu, on va dire, bas large, c'est parfait et ça permet vraiment de faire une belle silhouette comme tu vois là. Et je pense que c'est trop canon, ça j'aime trop ce style aussi. Beau petit accessoire, pour moi c'est très très classe. Et je pense que voilà, toi ça peut, genre, voilà, c'est modeste, c'est easy et tu peux facilement accessoiriser, avoir des bons petits jeans, surtout jeans, tout ce qui est un peu, on va dire, bas large, c'est parfait et ça permet vraiment de faire une belle silhouette comme tu vois là. Et je pense que c'est trop canon, ça j'aime trop ce style aussi. Beau petit accessoire, pour moi c'est très très classe. Et je pense que voilà, toi ça peut, genre, voilà, c'est modeste, c'est easy et tu peux facilement accessoiriser, avoir des bons petits jeans, surtout jeans, tout ce qui est un peu, on va dire, bas large, c'est parfait et ça permet vraiment de faire une belle silhouette comme tu vois là. Et je pense que c'est trop canon, ça j'aime trop ce style aussi. Beau petit accessoire, pour moi c'est très très classe. Et je pense que voilà, toi ça peut, genre, voilà, c'est modeste, c'est easy et tu peux facilement accessoriser, avoir des bons petits jeans, surtout jeans, tout ce qui est un peu,
on va dire bas large, c'est parfait. Et ça permet vraiment de faire une belle silhouette, comme tu vois là. Et je pense que... Ouais, c'est trop canon, ça, j'aime trop ce style c'est aussi. Partout pour des comme ouais, ça, pour être là. Ouais. Voilà, c'est un peu des pantalons un peu baggy, des petits t-shirts, mais un peu habillés, des petits sets là. Ouais. J'ai pas mal de marques qui font des sets déjà faits. Ok. Comme ça, tu les mets, tu mets tes petites baskets, tu mets ton petit sac Goya, ton petit sac de voyage. Ok, et voilà. Trop bien. Partout pour des comme ça, Ça, c'est des options. Dans tous les cas, on pourra regarder. Mais voilà, le petit Chanel, le petit sac Goyard, où tu peux aussi avoir le Neverfull. Moi, les gens trouvent que le Neverfull, il n'est pas Gucci. Ça, c'est des options. Dans tous les cas, on pourra regarder. Mais voilà, le petit Chanel, le petit sac Goyard, où tu peux aussi avoir le Neverfull. Moi, les gens trouvent que le Neverfull, il n'est pas Gucci. Ça, c'est des options. Longchamp, Colel, il y a... Toi, tu travailles aussi avec eux. Avec eux. JWP, il y a... Ça, c'est des marques mid de gamme. Je trouve qu'ils font des trucs hyper quali. Ouais. Que sur le début, si tu n'as pas vraiment envie d'investir sur des grosses sommes sur les autres, on peut faire des choses sympas avec ces marques-là. Ok. Genre Coach, Colen, Longchamp, Le Tanner. En plus, voilà. Okay. Pour les tu les avais, ouais. Les oranges, bah, tu les as déjà. Ouais. Celles-ci, c'est les Jonac là-bas. C'est les Jonac, voilà. Ouais, elles sont jolies. Elles sont jolies. Je vais les acheter. Bah voilà, les Jonac. Ouais. Des petites baskets blanches, peut-être que tu dois en avoir déjà. C'est oui, ça, ouais, j'en ai. Déjà, mais j'en avoir. Les Europeana. Ouais. J'ai des dupes. Des dupes, voilà. Ouais. Voilà, le style là, c'est très très classe aussi. Mmh. Les oranges, tu les as déjà. Ouais. Celles-ci, c'est les Jonac là-bas. C'est les Jonac, voilà. Ouais, elles sont jolies. Elles sont jolies. Je vais les acheter. Bah voilà, les Jonac. Ouais. Des petites baskets. Ouais, comme je te disais, moi, en tant que styliste, je te proposerais de t'aider à décorer ton look, mais je te propose aussi de pouvoir créer un partenariat, comme j'ai dit tout le temps, l'exemple, c'est Zendaya et son styliste, Laura Rudge, c'est vraiment de pouvoir que par rapport à ton style, tu développes toute une nouvelle identité, tu développes tout un nouveau marché. Qu'on puisse te répertorier comme Sukaina. Et là, ce style, Sukaina, c'est une influenceuse basse mode et qu'elle a vraiment son style à elle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais que vraiment tu deviennes quelqu'un dans le milieu de la mode qu'on regarde. Et voilà, moi, ça, c'est vraiment la proposition que j'ai. Ok, super. Et du coup, tu aimerais que des marques soient attirées par mon profil. Exactement, etc. J'aimerais que voilà, des marques françaises, des marques internationales, bah, on est à Dubaï, donc moi, je te disais. Il y a beaucoup de marques comme Alike, des marques comme Unisab, etc., qui sont très. Des marques haut de gamme, soit répertoriées, et se disent ah, ce là on a envie de travailler avec elle. Ouais. Parce que là, on aime bien son style, on aime bien ce qu'elle propose, et qu'on aime vraiment que être lié à elle, avoir un partenariat, une collaboration, et c'est sur ça que j'aimerais bien qu'on travaille. Ok. Donc, toi, tu penses à Thénaïs que tu peux me faire glow up? Ah, moi, je suis sûre. T'es sûre? Je suis sûre. T'es sûre. Franchement, avec déjà un bon tableau, mais je pense qu'ensemble on va faire des trucs très très intéressants. Ok, trop bien. Donc vraiment ça c'est une belle petite pièce pour vraiment rendre une tenue décalée, un petit jean, une petite chemise, et tu mets ça par-dessus pour Okay. Pour c'est trop pas, bien. Donc les filles, on est monté avec Athénaïs là dans mon dressing. Je lui montre tout ce que j'ai dans mon dressing. Et puis, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, on va faire le tri des sacs. Donc, ça, elle aime bien. Bon, après, ça, c'est mes sacs de luxe. Mais vous voyez, j'ai beaucoup de noir. Donc, on va acheter des couleurs et tout. Tu me conseilleras. Et en fait, les filles, tout ça, c'est des sacs que j'ai achetés. C'est Shein. Et Anaïs, qu'est-ce que tu m'as dit? Athénaïs, pardon. Ouais, vous allez galérer. On peut acheter des sacs chez Shein, AliExpress, mais il ne faut pas acheter des sacs en tissu. Il faut acheter les. Montre-moi un exemple, ma belle, s'il te plaît. Comme ça, on va leur montrer. Ça, ouais. Il ne faut pas acheter parce qu'on voit tout de suite que la qualité n'est pas ouf. Au bout de... enfin, ça fait cheap et ça rend votre look cheap. Okay. Mieux vaut ne pas mettre de sac ou mettre juste un sac bon champ que tu as. Okay. Le mieux, c'est les clutches. Comme je disais, les clutches, c'est des trucs un peu comme ça, soit en perle, soit en fer. Okay. Ça, tu peux en trouver partout et c'est comme c'est pas en tissu, ouais. Tu vois pas que c'est pas de la qualité. Donc voilà, si tu t'as pas un gros budget, okay. C'est à 20-30 euros au lieu d'acheter un sac en tissu, achète un clutch. Okay. Ça va être beaucoup plus sympa et ça rendra pas cheap ta tête. Ok, parfait.
Donc vraiment ça c'est une belle petite pièce pour vraiment rendre une tenue décalée, un petit jean, une petite chemise, et tu mets ça par-dessus pour juste Ok, pour égayer, c'est trop pas, bien. tu Donc te les prends pas au filles, sérieux. on est monté avec Athénaïs là dans mon dressing. Je lui montre tout ce que j'ai dans mon dressing. Ce Et que j'aime, ce puis, que j'aime. ouais, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, on va faire le tri des sacs. Donc, bah ça, elle aime bien. Bon, après, ça, c'est mes sacs de luxe. Mais vous voyez, j'ai beaucoup de noir. Donc, on va acheter des couleurs et tout. Tu me conseilleras. Et en fait, les filles, tout ça, c'est des sacs que j'ai achetés. C'est Shein. Et Anaïs, qu'est-ce que tu m'as dit? Alors, je Athénaïs, disais, ouais, pas de souci, pardon. pour le moment, vous allez galérer. Alors, je disais, on peut acheter des sacs chez Shein, AliExpress, mais il ne faut pas acheter des sacs en tissu, il faut acheter les clutches. Montre-moi un exemple, ma belle, Alors, s'il te par plaît, comme exemple, ça on va leur ça ou montrer. ça, Ouais. il ne faut pas acheter parce qu'on voit tout de suite que la qualité, elle n'est pas ouf au bout du... Enfin, ça fait cheap et ça rend votre look cheap. Ok. Mieux vaut ne pas mettre de sac ou mettre juste un sac en chanvre que t'as. Ok. Le mieux, c'est les clutches. Comme je disais, les clutches, c'est les... enfin, c'est des trucs un peu comme ça, soit en perles, soit en fer. Ok. Ça, tu peux en trouver partout et c'est comme c'est pas en tissu, tu Ouais. vois pas que c'est pas de la qualité. Donc voilà, ça va avec celui-là. Ça, c'est le denim, je pense, c'est la couleur bleue. Ouais. Plus clair aussi, ça marche. Ok. Après, plus clair, c'est juste le jean plus clair, ça met moins en valeur que le jean plus foncé. Ok. Les jeans clairs, ça met moins en valeur. Ça met moins en valeur. Ok. Ça dépend du coup, comme c'est. Bah, T'as fait une école de mode, Athénaïs? ça va avec celui-là. Toi, t'aurais mis un top beige. Ouais, j'aurais mis Ouais. un top beige. Un top beige, une J'ai pas chemise. grand-chose, c'est que des robes et tout. C'est vrai que t'as un peu de robe, mais Ouais. ça, un top beige. Et pareil, même une robe. Attends, t'as une robe. Je vais voir quelle robe. Là, tu vas Attends. te dire, ah ouais, c'est la cata en fait, son dressing. Non, franchement, Tu vas m'aider à tout refaire, Athénaïs. Ok. Donc là, les filles, on est en train de regarder ce que j'ai. En fait, d'apparence, on se dit, ah ouais, il y a beaucoup de choses. Mais quand on creuse, et ben en fait, c'est toujours le même style ou que des. J'ai que des robes et tout. J'ai pas. Non, faut que j'achète tout, c'est plus possible. Là. Faut que on va refaire tout mon dressing. Mais là, va s'amuser. on va s'amuser, ça va être trop bien. En plus, elle est ici, là. Elle est à Dubaï, donc trop, trop bien. Toi, t'aurais mis un top. En soi, parce que le pantalon, comme il est assez Ouais. décontracté pour casser, Toi, voilà, t'aurais mis une petite chemise une satinée. Je petite, suis en train de montrer à un Athénaïs les petit filles la top. tenue que j'avais mise à la masterclass. Et j'ai dit, en fait, j'ai acheté des belles pièces, mais j'ai pas su les associer. Et elle me dit qu'en gros, elle ne l'aurait pas mis avec ça et qu'elle l'aurait mise avec quelque chose d'autre. Donc, t'aurais mis quoi après comme Bah, tu vois, pantalon? j'aurais mis un petit top. Peut-être pas ça, mais un petit top un peu satiné, un petit. Bah, comme le petit top que tu as, hein. Ok. Un truc habillé pour Ok. casser. Parce que ça, c'est un pantalon, en plus, ça fait, tu vois, Ouais. best Ok. man. Et comme ça, ça fait décalé, Ok. mais assez intéressant. Et un top. Peut-être pas ça, mais un petit top un peu satiné, un petit. Bah, comme le petit top que tu as, hein. Ok. Un truc habillé pour Ok. casser. Ça, c'est un pantalon, en plus, ça fait, tu vois, Ouais. best man. Ok. Et comme ça, ça fait décalé, Ok. mais assez intéressant. Et avec voilà, des petits talons qui rappellent la couleur du top. Du coup, Top. c'est un top beige, des petits talons beige. Ok. Voilà, comme ça, c'est pas trop littéral. Ouais. Et voilà, le sac, je pense que le sac que tu avais, le pollen, il est Le très bon. problème, Voilà, le ouais, sac, il celui-ci. est très bon. Ok. Alors, du coup, toi, Athénaïs, qu'est-ce qu'on va faire là? Bah, alors, comme je t'ai dit, on va faire là, on a vu ton dressing, on a vu ce que tu n'avais pas. On va Ok. aller prendre ce qui manque. Ok. Donc, comme je t'ai dit, bah, il faut un petit jean noir bien bootcut. Ok. Et comme je t'ai dit, on va aller dans pas mal de magasins. Le but, c'est pas de te faire dépenser n'importe quoi. Donc, dans tous les cas, je te donnerai à chaque fois des Ok. options Moi, je veux sur. d'autres Voilà. boutiques. Genre, je veux découvrir d'autres boutiques. Je pense que toi, tu en connais pas mal ici. Exactement, comme je t'ai dit, on va pas forcément aller chez Zara, il y a pas mal de boutiques. Bah, il y a COS, Honor Story, il y a Riva, il y a Ounas. Enfin, je sais pas si tu connais Ounas Non, je en connais ligne. pas. Énormément de marques Ok. ici et Massimo Dutti, tu m'as Massimo dit Dutti, aussi. c'est parfait. Enfin, Ok. c'est vraiment pas mal, c'est Zara plus plus. Ok. Et il y a aussi pas mal de petites marques locales, des marques internationales qu'on va découvrir. Je pense que c'est plus intéressant, même pour toi, même pour tes abonnés, de Ouais. pouvoir voir, parce que bon, Zara, on connaît ce qu'ils font, Ouais. de pouvoir voir les autres alternatives. Donc voilà. Super. Et aussi, je voudrais aussi, pour mes abonnés que j'aime trop, qu'on leur fasse découvrir des marques pas forcément très très chères. Tu sais, des pièces de qualité, des looks qui font très qualitatif, mais pas forcément qu'ils aient besoin de payer 1000 euros, 800 euros la pièce et tout, tu vois? Totalement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, même par rapport au sac, avoir, enfin, même par rapport au sac, on va proposer
c'est des marques qui sont super intéressantes, qui font de la qualité aussi bien que les grands noms, mais à des budgets hyper raisonnables, parce que c'est pas tout le monde qui a envie de mettre 2000 euros sur un sac, okay. ou même un jean ou un pantalon, mettre 200 ou 300 euros. Mais il y a pas mal d'options que je vais vous faire découvrir, des marques qui sont ici, qui sont en ligne, qui sont un peu partout dans le monde, qui okay. font des trucs hyper quali, okay. à des prix hyper raisonnables, qui sont pas Zara ou Mango. Ok, parfait. Qui m'a dit on profite en même temps que toi des idées d'Athénaïs. Tu peux te présenter Athénaïs ? Oui, alors je m'appelle Athénaïs, j'ai 29 ans, j'habite à Dubaï, je suis styliste, je travaille pour je stylise pour des magazines comme Vogue Arabia, je travaille aussi pour des publicités, pour des célébrités, ça m'est arrivé. Avant ça, je travaillais 8 ans en finance, c'est pour ça que je suis assez organisée. Ok. Et puis voilà, maintenant je me suis lancée dessus, ça fait un an et demi et j'adore. Et voilà, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Ouais. J'ai mis mon petit sac Céline parce que j'avais mis mon ordinateur dedans. J'ai mis un petit top que j'avais pris l'an dernier chez H&M. J'ai mis une petite ceinture camel comme ça pour rappeler les petites claquettes. En claquettes, j'ai mis les petites orangs comme ça en camel ici. Et voilà, un petit look très décontracté. Donc c'était aujourd'hui pour aller rencontrer ma future potentielle styliste. Voilà, et en termes d'accessoires, j'ai mis les petites boucles d'oreilles. Celles-ci, ce sont des Calixia. Et ma petite... Débrief du rendez-vous avec Athénaïs Lessie. Je suis trop contente, ça s'est super bien passé. Alors, il faut savoir qu'Athénaïs, elle me connaît depuis pas longtemps. Elle me connaît depuis 6 mois environ. Je pense qu'elle a dû me voir dans le Discover de Dubaï, Lessie. Elle m'a dit que, bah, en gros, voilà, ça fait pas longtemps qu'elle me suivait, que j'avais un potentiel qui était pas exploité et qu'elle, justement, elle sait qu'il y a des grandes choses à faire avec moi. Elle m'a dit, franchement... En gros, il y a grave des choses à faire et tout. Mais c'est juste, c'est juste des petits réglages. Elle m'a dit, t'es quelqu'un d'ouverte, ça se voit. Elle m'a dit, moi, je suis sûre que je peux te faire reconnaître auprès des marques, etc. Auprès de certains magazines d'ici en tant qu'influenceuse mode. Mais pour cela, il va falloir que du coup, bah, on fasse des petits réglages en termes de mon style. Que je trouve ma propre identité, en fait. Et que je sois plutôt une lanceuse de tendance et non pas une suiveuse de tendance. Vous voyez, moi là de base, j'ai tendance à être la suiveuse dans le sens où je vais vraiment acheter des pièces que je vois qui sont un petit peu tendance partout. Et elle, vraiment, elle veut me faire. Comment on appelle ça ? Elle veut me faire changer dans ce sens-là en fait. Vraiment devenir la lanceuse de tendance avec ma propre identité visuelle, ma propre personnalité, mon propre style. Vraiment, même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde, en gros que je trouve mon style. Voilà, elle est là pour ça. Donc je suis trop contente, c'est exactement ce que je recherche chez les filles. Elle, ce qui est bien, je vous avais dit, j'ai sélectionné 6 stylistes. Et elle, l'avantage, c'est qu'elle vit à Dubaï. Là, elle est là jusqu'au mois de juillet facilement. Donc là, on va pouvoir se voir. On se revoit vendredi. Vendredi, deuxième étape, grand tri dans le dressing. Elle m'a dit, t'essayes tout, on voit ce qui te va, on voit ce qui ne te va pas. Ce qui ne te va pas, tu donnes. Ce qui te va, on te garde. Après, on fait une liste de tout ce qui manque. Les basiques qui manquent, les sacs qui manquent, les accessoires qui manquent, les chaussures qui manquent. On va au mall, elle me fait découvrir plein de boutiques qu'elle connaît, etc. Et on va tout acheter. Voilà, j'avais besoin de ça, les filles. Wallah. Allez, on va acheter ice cream. Vite! Vite! Ice cream! Ouais! There! Allez, vite! Attention!
Allez, on va acheter ice cream. Vite. Ice cream. Ouais. There. Allez, vite, vite, vite. Attention. Il se lève. Allez, ma beauté d'amour, allez. On va acheter ice cream. Allez, ma beauté d'amour, allez. On va acheter ice cream. Bon, les filles, du coup, je suis trop contente. Je revois Athénaïs vendredi, Inch'Allah. Donc, vendredi, comme je vous ai dit, ça va être le tri du dressing et essayage. On va tout trier, tout ce qui va pas et tout. On va donner, je vais donner les filles. Tout ce qui est bien, je vais garder. Et après, on va se refixer un jour pour le shopping. Peut-être qu'on va le faire dans la même journée, je sais pas. Ça dépendra du temps que ça va nous prendre. Après, vu que j'ai beaucoup de trucs, il y aura beaucoup d'essayages à faire. En tout cas, je suis trop contente. Vous êtes à fond dans mon glow up là, dans mon changement. Vraiment, je souhaite changer. Ça y est, je veux bien m'habiller et tous les jours, dans n'importe quelle situation. Et surtout, choisir des bons vêtements, assembler les vêtements, tout ça, les petites techniques en fonction de ma morphologie. Elle m'a dit que moi, c'était plus les choses évasées, etc., qui iraient bien. Donc, on verra tout ça. Allez, avance. Allez, ma beauté, allez, avance. Je vais aller lui acheter une petite glace. Il veut des petites glaces, mon amour. J'aime trop mon quartier, les filles. Il y a de la verdure partout et tout. Doucement, mon cœur. Regardez, les filles. Il est trop apaisant, ce quartier. Je l'aime trop. Allez, avance. Allez, ma beauté, allez, avance. Je vais aller lui acheter une petite glace. Je suis en train de regarder les filles, les tissus pour la prochaine collection. Et je vous jure que ça promet, regardez. Il y a du lin. Je vois trop des modèles là dans ma tête. Du lin avec des motifs et tout. Canon. Les filles, ça y est, mes beautés, je suis entrée, je suis en pyjama. Du coup, je vais faire riz avec une sauce champignon, du poulet. Voilà, une petite sauce à la crème avec du riz, les filles. J'avais trop envie, j'aime trop le riz. Et mon fils, il aime trop le riz aussi. Bah oui, mon amour. Et voilà, donc là, je fais à manger, les filles. Après, je vous donne un code Caracare. J'ai un code Caracare, un code Wonder. Comparat incroyable pour les cheveux, les ongles et tout. Bref, donc je cuisine. Si vous voulez ma recette, je vous la partage avec plaisir. C'est simple, hein, c'est très très simple. Et voilà, après nous chez nous, il est 21h40. Je suis un peu en retard, on a un peu tardé là. Lors de mon deuxième rendez-vous, on avait plein de choses à dire. Et voilà, les filles. Bon, c'est ok, les filles, j'ai tout. Un petit champignon, oignon, persil, poulet. Là, le riz, il est en train de cuire. Je vais préparer ma petite farce. Bon, c'est ok, les filles, j'ai tout. Un petit champignon, oignon, persil, poulet. Là, le riz, il est en train de cuire. Je vais préparer ma petite farce. Bon, c'est ok, les filles, j'ai tout. Un petit champignon. La base de tout, les filles. De l'huile d'olive. La base de tout, les filles. De l'huile d'olive. La base de tout, les filles. De l'huile d'olive. La base de tout, les filles. J'aime bien mettre un peu de beurre aussi, les filles, dans mes préparations. Je trouve que ça rajoute un petit truc. Hop, je mets les oignons. J'aime bien mettre un peu de beurre aussi, les filles, dans mes préparations. Je trouve que ça rajoute un petit truc. Hop, je mets les oignons. J'aime bien mettre un peu de beurre aussi.
bébé. Pour maman. Là. Pour mon bébé. Pour maman. Re les filles, j'espère que ça va mes beautés. Bon, je suis trop contente de ma journée ici. Là, mon moment préféré, c'est quand je suis dans ma coiffeuse et que je prends mes compléments alimentaires ici. Franchement, regardez. Attendez. Non, c'est pas ma nouvelle boîte. Celle-ci, c'est laquelle? Attendez. Non, j'en ai débarré il n'y a pas longtemps. Moi, je suis dégoûtée. Elle, c'est une autre que j'avais entamée. Bon. Et que j'avais laissé l'autre que je rate, je sais pas. Je crois que c'est ma nanny qui les a mélangés. Deux bonbons par jour. Ma caracère. Sachez que ces gummies-là, les filles, c'est les plus notés, les plus dosés, pardon, du marché en termes de biotine. Vous avez 20 000. Je vais vous mettre le tableau comparatif avec d'autres marques. Ça, les filles, pour vos ongles et pour vos cheveux. Franchement, les cheveux. Là, vous avez vu, je peux les attacher avec un élastique, chose que je ne pouvais pas faire il y a quelques jours. Regardez comme franchement, ils ont... C'est impressionnant comme ils ont poussé. Les filles, dites-vous que j'avais un carré. Ok, regardez là. Bon, il y a de l'huile et tout, donc voilà. Sachez que... on va dire, Inch'Allah, je me donne un objectif du mois d'août. Sachez qu'en août, mes cheveux seront la minimum. On en reparle ou pas, les filles? Il me reste tout le mois. Il me reste le mois de mai, tout le mois de juin, tout le mois de juillet. Vous allez être choqués. Vraiment, vous allez être choqués. Les filles, dites-vous que j'avais un carré. Regardez comme c'est impressionnant. Mes cheveux, là, ils m'arrivent là. Parce que là, ils sont en mode comme ça. Mais si je les lisse, il m'arrive là. C'est pas un truc de fou. Et les gars, ils étaient là. Ils étaient là, les filles. C'est choquant. J'ai pris tout ça en un mois et demi. Tout ça, là. Je suis choquée. Même moi, je suis choquée. Mon entourage est choqué. Je fais énormément de choses. Je prends des compléments alimentaires. Je fais des bains d'huile et tout. Et franchement, je suis super satisfaite. Je sais pas si vous avez remarqué, mais même le trou, là, je l'ai montré. Je vous montre la texture de mes cheveux que j'ai complètement retrouvée. Alhamdoulilah. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais regardez, le cheveu, il est bien nippé. Il n'y a pas de queue de rat ou quoi. Regardez, la pointe, elle n'est pas du tout abîmée. Et je suis trop contente parce que j'ai vraiment retrouvé, les filles, l'épaisseur et la masse que j'avais complètement perdue. J'avais des queues de rat et tout, c'était horrible. Mais là, je suis trop contente, vous voyez. Même si j'ai une couleur et tout, et bah, il faut juste qu'il pousse encore. Et avec des cheveux longs, genre cette texture avec les cheveux un peu plus longs, vous allez voir, ça va être canon quand je vais faire des brushes et tout. On va bien voir... la masse, quoi. Je suis trop contente. Et là, je suis trop contente parce que regardez les filles. Voilà. Trop contente. Juste qu'il pousse et ça va être parfait. Là, j'ai pas de brushing, j'ai rien du tout. Bon, mes beautés, je suis...